Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Ria, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Horizon Zero Dawn. Nous voici toujours avec Aloy. Alors, par rapport à l'épisode précédent, j'ai avancé un tout petit peu dans l'exploration, mais vite fait. On était là-dedans, donc j'ai découvert un site corrompu avec des charognards qui sont corrompus. On va pas y aller tout de suite, même si bon, ça peut faire très mal. J'ai acheté un arc, je vais vous le montrer juste après, qui va faire très mal. Et du coup, j'ai légèrement avancé. J'ai découvert un marchand avec un petit feu de camp. Et là, ici, on a des coups. Il y a une zone de grands coups qui va nous permettre, un peu de, à sauf du démon, de scanner apparemment la zone, je crois. Donc j'ai un point de compétence, j'ai passé le niveau, mais bon, on va le garder. Donc j'ai voulu avancer un tout petit peu en attendant, puisqu'il faisait nuit totale. Et donc du coup, j'ai attendu que le soleil se lève un peu. Alors au début de l'intro, on a vu un grand coup passer un peu vers là-bas. Donc on va s'y rendre. Et j'ai acheté un arc. Hop. Alors j'ai l'arc de chasseur Karja qui permet d'avoir des flèches de feu, mais j'ai acheté l'arc de précision classique qui a une puissance et un déchirement bien plus élevé que celui que j'ai. Alors ça me fait penser que je ne l'ai pas amélioré. Donc par exemple celui-ci a arc de chasseur Karja, munitions, donc j'ai 16 de dégâts avec 28 de déchirement avec le bonus, et des flèches de feu qui font 13 de dégâts avec 25 de feu. Et j'ai celui-ci, alors qu'il a 80 de maniement, et celui-ci il a que 22 de maniement, mais par contre 60 de dégâts et 30 de déchirure. Alors on a des bobines, donc j'ai récupéré des petites bobines. Donc 19 de dégâts, 10 de déchirure plus 7 de corruption. Alors la corruption elle me sert pas. Donc là ça fait plus 11 plus 3. Donc ouais, je pense quand même mettre ça. Alors la corruption, je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai pas d'armes ou quoi que ce soit qui ont des trucs de corruption. Alors, il me semble que c'est sur les armes plutôt haut level. Les armes un peu plus rares où il y a de la corruption. Et ça doit faire un bonus de dégâts. Mais de toute façon, les bobines, c'est pas un problème. Alors, on va mettre ça comme ça augmentera un peu tout. Et là, ça fait encore plus de dégâts, encore plus de déchirures. Et ça, c'est pas mal ça. Ok, bah ouais, on va aller un grand coup. Donc il va falloir qu'on monte tout là-haut. Du coup, les missions, alors les quêtes. Alors les quêtes activées, bon c'était un didacticiel. Si on trouve des veilleurs, mettre des flèches dans la tête. Ça c'est pas un problème. En fait, ensuite, principale piste de la chef de guerre. On ira faire ça. Mais on a trouvé. Alors il y a un camp de bandits qui est bien plus loin, mais on va aller faire ceci. Trouver la source du signal, puisque lorsqu'on met, alors je suis un peu loin malheureusement. C'était facile quand j'étais petite. Oui, à l'œil. Alors on trouve pas la source du signal, je suis peut-être un peu loin, mais il y avait quelque chose. Alors peut-être le fait, alors c'était peut-être le fait qu'on était dans la nuit. On va passer par là, on va éviter de se faire glitcher dans tous les sens. Alors ça c'est cadavre. Ils sont encore surpris. Oh merde! Ah c'est pas un cadavre! Ah merde, c'est un cadavre! Ah merde! Putain, je crois que c'était un cadavre! Et attendez le bruit là? Oh merde, non, hop, voilà, on va passer au-dessus. Ok, je me suis un peu éloigné, mais c'est pas grave. Ah, il y a le grand coup que c'est là. Un grand coup, exactement comme Rost l'avait décrit. Le signal doit venir de sa tête. Je dois grimper là-haut. Holy shit.
Attendez, bon, on va activer celle-là. Hein. Alors du coup, comment je fais pour monter? Alors je peux pas monter par en bas. Merde, oh j'ai enlevé le didacticiel. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, oh ça c'est des bestioles. Alors on va commencer à découvrir des bestioles qu'on ne connaît pas. Donc va falloir se méfier. Hein. Va falloir se méfier. Fait chier. Bon après c'est pas grave, hein, le didacticiel on pourra le faire bien plus tard. Hein. Alors. Oh merde. Putain, il y en a un là-haut. Ah, c'est quoi ça? De données, d'accord. Putain, je trouve des trucs. Plus de Débris place. antique. Ah! J'ai plus de place. Eh merde. Problématique ça? Capacité, je suis à 30. Ah non! Oh vache! Non, tu viens pas? Oh, je suis où là? Oh. Putain de merde! Sont vénères les gens. Alors ouais, va falloir trouver un. C'est où? Oh il est où putain? Je pense qu'il faut que j'aille là-haut là. Idéal pour sauter sur le grand coup. Attendez, mais non. Non, mais faut que j'aille sur sa tête directement. Je peux monter sur le bas par le bas du coup ou pas? Attendez, on va tester. Hein. Chaque lever de soleil est différent. Point d'appui. Bah bien sûr. Ok, il faut que je grimpe sur sa tête. Ok.
sera pas long. Ok. Et là, du coup, ça me découvre un bout de carte, si je dis pas de conneries. Le grand coup se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. D'accord. Ok. Oulala, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça là-bas? Oh là là, non, non. Hein? On va peut-être pas y aller là-bas. Oh là là. Ok. Donc là, ok, donc le grand coup là, ça veut dire ça scanne toute la zone. Ah ouais! Ah ouais, ah oui, ah oui, ah là il y a du monde. Ah oui, oh putain. Ah ouais, ça déconne zéro là. Mais soif du démon, c'est quoi ça? C'est un lieu? C'est quoi? Je pense que c'est un lieu. Ok, il y a encore un truc inconnu là, je sais pas ce que c'est. Ok. Du coup, ouais, mais c'est la zone là. Moi, c'est pas ce que c'est ça. Non, faut que je me rapproche pour savoir ce que c'est. Camp de bandits. Après, il y a les missions qui sont là. Là, c'est une zone de brouteur. Port de map. Là, c'est un truc que nous sauve de démon. Peut-être qu'il y a un... Ouais, je pense pas qu'il y ait de grand coup. À moins que possible, je ne sais pas. Ça, je sais, ça c'est une nouvelle bestiole. Je sais pas ce que c'est. J'ai quand même envie d'aller voir là-bas quand même. Ok. Fabriquer. Hop, on fabrique. On va aller voir un peu les bestioles là-bas. Comment c'est le gros là? Crasheur boursouflé. Déjà plein. Ah merde, mais oui, putain, je suis plein. Ouais, comment ça se fait qu'il a moins de PV? Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Bonbonne. Ah non, pactage, faiblesse. Ah, mais ils sont pas full life, c'est bizarre. Pactage, faiblesse, donc ça c'est l'arc que j'ai. Bonbonne en bas c'est feu plus faiblesse. Ce qu'il me faut c'est un marchand. Et le marchand il est là-bas. Merde. Ah merde, j'ai plus mon galopeur parce que je devais être trop loin. Je peux plus l'appeler. Merde. Alors écoutez, on va. Alors déjà, on va ramasser cette plante là. Mon racine. Voilà. On va aller voir le marchand. Ça, c'est une chose que j'ai pas vérifié, la capacité de stockage. J'ai le droit à 30 ressources différentes. Et je les ai atteintes. Et il y a plein de ressources, c'est juste de l'échange en fait. Donc. Ouais, j'ai plus ma bestiole en plus. Ah. Mais on la perd ou on peut la récupérer? Ou si on se rapproche un peu plus? Parce qu'elle était vers le marchand, il me semble. J'avais laissé, j'avais fait plus à patte après. Donc après, je sais pas. Tu m'aideras, petite plante. Ou sinon, je vais en repirater une autre. Hein. Regardez, voilà, regardez là-bas. On se méfie quand même.
Et merde. C'est quand même bon pour viser, hein. Ok, les veilleurs sont venus. Alors attendez, vu qu'ils sont revenus, ce que je vais faire, quête, on va juste faire le didacticiel, là. Voilà. Ça fait mal, hein. Cet arc-là fait très mal, hein. La preuve, hein. La preuve, il fait très très mal. Non, je confirme, j'ai plus ma bestiole. Ah ouais, et du coup là, les loots, ils sont revenus. Ah, du coup, ils sont revenus. Parce que je les avais loot, ceux-là. Non, ça, c'est nil. Ce sera utile. Ah bah, une potion de santé. Oh putain, comment on peut farm comme un bâtard. Non, le marchand, il est là. Ok. Acheter, non. Mais vendre, par contre, oui. Ressources, je suis attente. Donc, alors, ressources, qu'est-ce que je peux vendre là-dedans? Viande osseuse, fabrication d'objets, échange contre des éclats de métal. Changer ordre de tri. Échange contre des éclats de métal, il y a ça. Et après, ouais, les trocars, ouais, c'est des échanges. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ok. Alors, on va prendre plutôt par rapport au nombre. Alors, la flambée, c'est sûr que j'en ai plein. Vendre plusieurs. Ouais, non, mais ça sert à rien. Si j'en vends plusieurs, autant tout vendre. Viande grasse, vas-y, ça on va vendre. On ira en reprendre plus tard, c'est pas grave. Pack de déplacement rapide. En vrai, je les utilise pas. Bon, après, voilà, valeur, ça vaut que dalle, mais. Du fil électrique. Ça, c'est pour mon arc, donc on va garder. Et les plantes. Pour l'instant, je les utilise pas. Donc on va les vendre. Merde. J'en vends plusieurs. On rend tout. Les racines. On vend plusieurs. Mais ouais, capacité de stockage. Oh putain, je le ramasse. C'est les lentilles en fait. Commerce avec des marchands ou échange contre des éclats. Verre du désert, lentilles de veilleur. En vrai, les lentilles de veilleur, je peux les vendre. Je peux les vendre. Vendre plusieurs. Au pire, si j'en ai. Après, si j'en ai besoin, il y aura les. On ira les refaire, hein, c'est pas grave. Hein. Brûlure de métal. Pour des munitions corruptrices. Ah, mais ça, j'en ai pas. Ok, on fait le plein. Du coup, je voulais aller voir eux là. Site de cracheur boursouflé. Et mais avant, faut que j'aille éliminer les. L'autre est tombé là-dedans, moi je veux pas y aller.
Putain, vache, comment je loupe? Horrible. Anti-attaque à distance. Ah bah oui, en plus, ça, j'avais récupéré des trucs là. Gel. Plus 25. On peut pas avoir un truc pour savoir sur quel. 10 plus 10% anti-attaque à distance, anti-feu. On sait pas vraiment c'est sur quoi comme arme qu'on peut mettre ça. Hop là. Et si on tape dans les points faibles, on a des ressources. Ou pas. Bon bah yes. Je dois apprendre à pirater plus de machines. Il me semble que les... Je sais plus, il y a des bestioles, c'est one shot quand je tape dans le point faible. Alors lesquels c'est exactement, je sais pas. Ok, bon, allez, on va aller voir les charognards là. Pas les charognards, mais les autres là-bas là. Bon alors, ils étaient où? Ça peut servir. Ah bah non, il pleut, putain. Il faisait beau. Trois, il y avait au moins 4 je crois au départ, mais bon. Du coup, pactage, ouais. Gosier, c'est juste du dégât. Ah, c'est le bonbon là, il faut taper. Et le corps, faiblesse, c'est peut-être corru. Je sais pas c'est quoi la flèche. C'est gros comme bestiole ça. Je suis trempé jusqu'aux os.
crois qu'il scanne en fait. Ou je sais pas si c'est lui qui a un scan. J'ai passé le test. Oh merde, y'a les autres qui arrivent. Non, 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 non. Vous me voyez pas. Ça a marché mon film, mais bon. Oh merde, ils m'ont vu. En fait, son réservoir, c'est la merde. C'est horrible, en fait. Chier, hein, merde. Putain. Les autres, les autres, les autres. Ah ouais, donc ici, ils me voyaient les mecs. Les autres qui sont au fond, ils me voyaient depuis là-bas. Oh la vache. C'est horrible. Ça fait trop penser à des T-Rex. Ouais, c'est par en dessous, mais c'est horrible de choper ça. Tout ça pour ça. Je vais les éviter pour l'instant. Ouais, ouais, vaut mieux, ouais. Eh, j'aurai bientôt plus de ressources pour faire les flèches là.
Eh, le corps résistant, c'est le feu. Pourquoi ta bonbonne enflammée, elle est tout en bas, wesh. Ok, bon. On va pas insister plus longtemps. On va... C'est quoi ça? Ah, c'est là-bas. On va aller rejoindre le lieu du massacre. Parce que c'est bien beau les bestioles là, mais... On verra ça plus tard. Oh! Bâtard, va. Putain, ah, c'est horrible parce qu'il y en a partout. Tu t'y attends pas et en fait il y en a partout des conneries là. Fil électrique, c'est ça qu'il me faut. Alors, on va essayer. Attends, déjà, première chose. Ouais, c'est le marqueur là. Mais on va essayer de scanner un peu plus pour éviter de me faire avoir parce que là je tombe sur deux bordels là. Merde. Et ouais, niveau ouais, c'est fil électrique quoi. Hop, prends les racines. Il y en a là-bas. Veilleur avec du brouteur. On va passer par là. J'espère pas faire trop de bruit. Bien aussi de passer par là. Ok. Ok, donc mon sac de plantes est plein. Elles sont juste là. Ok. Elles sont juste là. Non, encore là. Putain, si on veut du brouteur, t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Ah vache, je suis en cercle en fait. Je suis encerclé de brouteur. Bon, on s'en fout. On s'en fout, c'est des herbivores. Mais quand même, souvent. Souvent, ils sont en compagnie de veilleurs.
colis antique, mais ça c'est des trucs qui servent à rien ça. Ouais, ok, ouais, c'est sur les brouteurs, ça one shot. C'est les brouteurs, ça one shot. Et vu que j'ai tapé la zone à cœur de brouteur, là de la flambée. Oh, c'est beau à droite avec le bleu là. Tu vas te dégager toi. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Voilà, dégagez là les charognards là. Qu'est-ce que vous foutez là? Il y avait personne avant. Ouais, il y avait lui, mais c'est tout quoi. Alors, on peut pas être tranquille. Exécution discrète. Hop. Bon, est-ce que je peux aller sur ma mission, bordel? Sûrement là que les guerriers se sont fait massacrer. Tant de violence. Ok, triple veilleur. De nombreuses machines contrôlées par les tueurs. Les Nora ont réussi à abattre un corrupteur. La chef de guerre a peut-être laissé quelque chose. Un indice sur l'endroit où elle est partie. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. Corrupteur. C'est quoi ça? Oh la vache, mais il y a des bestioles là. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Ah, c'est ce qu'on a affronté tout à l'heure là, l'autre épisode là, dans le camp. Des restes de nourriture. Les tueurs se sont reposés ici avant d'activer le piège. Hey, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui te passe? Les morts et les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs ici. Je suis seule. Tu es blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de Gersona m'a nommé messager. Je lui sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés? Je sais pas. On a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elle poursuivait le combat. Tu okay. étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade? En effet, je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressée de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Ok. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment? Je peux seulement te dire où je l'ai quitté. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon.
Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Sud-est. Je me dirige vers les trains. Attends, c'est sud-est. Dire ce que je sais à c'est sud-est qu'il a dit. Que la toute mer te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Ah ok, non, ça va, c'est là-bas. Moi je me dis, oh non, pas là. Non, ça va, c'est là-bas. Ah putain, mais j'y étais. Ah, j'y étais. J'y étais, putain. Y'a qu'à attaquer des machines. Gré à coup. Au moins, ça va, on peut voir un peu les. Piratage PSI, ne me dis pas qu'on peut utiliser un gros que vous avez placé. Je jure. Non, je pense pas. Piratage X11. Ah, c'est 11. Gonflé de liquide explosif, cette machine peut projeter sa cargaison en jet pour embraser les ennemis. Faiblesse, c'est le gel. Bonbonne, mais regarde où elle est la bonbonne. Ah, c'est sûr que feu déchireur. Ah, bah, c'est sûr que c'est bien. Bah, vas-y. Faiblesse, tout. Et après, butin, flambé, éclat de métal, noyau de machine moyen. Usage, échange contre des éclats de métal. Commerce. Mais ouais, faut réussir à choper la bonbonne, mais par en dessous, je sais pas trop. Ok. Alors j'ai 3 points de compétence. Elle augmente la durée de concentration, y'a pas à chier. Hein. Oh la recharge rapide, oh ça donne trop envie. Ok. Il y a une quête là, mais ça bouffe en fil électrique cette connerie. Hein. Je descends vite. Ah oui, alors tu descends vite, oui. On va aller rejoindre l'autre là-bas. Il faut qu'on retourne, hein. Possible de remonter là? Antique, putain, je suis en train de remplir tout mon stuff. Ok, bon, ça c'est le grand coup, on s'en bat pas les couilles. J'observe au loin, y'a rien du tout. Ah, c'est là-haut qu'il faut aller. Putain, faut se méfier, ça, faut se méfier. Ouais, là qui a été légèrement heurté. Sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé.
Il faut quand même monter. Mais ah, du coup, on monte comment là-haut? Par le côté là? Ouais, voilà. Ce serait vraiment bien s'il me cherchait pas. Oh, mais il va pas m'emmerder, lui. Où est-ce qu'elle est allée ensuite? Des bandages. Des fragments de flèches. Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Les braves fabriquaient des munitions ici. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang peut-être. Je vais la scanner avec mon focus. Ce vieil arc a connu bien des combats. Personne ne l'aurait abandonné volontairement. Sona a subi des pertes. Ok, c'est parti, on va la suivre. Oh, ça glisse. Des traces de pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Oh les pét... Bon, finissons-en. Bon, dans la tête, les flèches de feu, pas trouvé ça exceptionnel. Hein. Oh merde, oh putain non. Un Dancy mort. De la main de Sona peut-être. Elle est sûrement tout près. Oh, y'a un Dancy là en plus. Bord de falaise, t'sais, en plus. Dans ton dos. Non? Putain, si. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Sona! Relax!
Pas de la chance que je sois passé. Une seconde de plus et ce Dancy t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. C'est toi, la chef Sona ? Varl m'envoie te trouver. Il garde bien la porte ? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiments. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi ? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi, en combattant avec nous. Suis-moi. Ah ouais, faut la suivre là ? Ouais non mais... Ouais j'ai pas le time là, oh là. Derrière cette saillie, il creuse le sol maudit. Le péché des anciens est enfoui dans cette terre, des démons corrupteurs. Je les connais. J'en ai eu un au guet de la mer. Si tu le dis, voyons si tu seras à la hauteur. Ok, bon. Vous savez quoi les gars ? Avant de s'aventurer là-dedans, ça fait déjà 52 minutes. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Avant de partir encore en une escapade, là. Moi, je vais arrêter ici. Et puis, de toute façon, voilà, on va reprendre juste après, bien évidemment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à mettre bien évidemment le petit pouce bleu qui va bien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Horizon.